Alors, la cité monastique que nous voyons derrière nous, elle n'est pas née en un seul jour, elle est née en 1084. À l'époque, Bruno est accompagné de 6 compagnons et ils viennent dans le désert de Chartreuse à la recherche de silence et de solitude. Neuf cents ans plus tard, la communauté est composée de 32 moines, 20 pères, 10 frères, 2 novices. Et depuis donc ces 900 ans, ils ont eu beaucoup d'activités économiques. Ils ont été maîtres de forge, agriculteurs, éleveurs. Et depuis 400 ans, ils sont maîtres liqueuristes et s'occupent de la production de la fameuse liqueur de Chartreuse. Le père supervise un peu la gestion de l'alcool. Le frère est chargé de tout ce qui est mouture des plantes et de l'approvisionnement en plantes. Nous allons chercher ensuite les sacs de plantes au monastère. Et on travaille un petit peu comme des cuisiniers à l'aide d'une recette, parce que les 130 plantes ne sont pas distillées toutes en même temps. Je connais la moitié du secret, le secret de distillation, mais seuls les moines connaissent le secret des plantes. Voilà. Je suis juste le cuisinier qui lit le livre de recettes. On voit la liqueur qui accroche un petit peu hein, le verre. Oui, la chartreuse verte, forte, sèche, avec un grand parfum de plante. Elle titre 55 degrés. Elle est née en 1764. Florale. Tout à fait. De voir déjà la couleur d'une liqueur comme la chartreuse jaune dans le verre, il y a des reflets moirés qui sont tout à fait étonnants. Ensuite, il faut sentir, il faut s'habituer déjà avec l'aromatique de la chartreuse, donc sentir délicatement, et ensuite on peut poursuivre la dégustation en buvant. C'est une base de cocktail assez extraordinaire parce qu'il y a une puissance aromatique telle que de la placer en cocktail, tout de suite elle donne un ton particulier au cocktail qui plaît énormément à ceux qu'on appelle actuellement les mixologistes notamment.
sais plus laquelle c'est. Alors, il y a la fascination de l'image du produit. Il y a une liqueur faite depuis plus de 200 ans par les mêmes, qui est toujours restée indépendante, qui est l'héritière des liqueurs les plus anciennes, qui est l'héritière de toutes les plantes médicinales du Moyen-Âge, et tout ça qui est resté totalement intact depuis toujours.